Pour qui écrivez-vous ? En principe, pour tout le monde. Je sais bien que tout le monde s'en moque et que la plus grande partie du public se détourne ou bien s'abstient d'œuvres comme la mienne. Enfin, la plus grande partie, je ne dis pas la totalité, Dieu sait. Mais en principe, je voudrais être compris de tout homme, même modérément instruit et modérément cultivé. Et c'est une des exigences auxquelles je me soumets quand j'écris. Je veux être compris, non pas de quelques initiés, qui du reste comprennent de travers, ou font semblant de comprendre, mais je veux être compris de n'importe qui. Et ça, toujours. Je n'ai jamais donné dans l'hermétisme. Même dans la fougue de ma jeunesse, j'ai tâché d'être aussi clair que possible. Et les progrès que j'ai faits comme écrivain, entre par exemple ma 20e et ma 30e ou 35e année, c'était progrès dans le sens de la clarté. J'ai tâché d'échapper toujours aux modes, aux maniérismes, enfin, toutes les formes de clinquants qui peuvent séduire un public raffiné et restreint, mais qui sont faites pour écarter l'honnête homme. Une vie, une œuvre. Jules Romain et la modernité. Une émission d'Hubert Join. Pour l'état civil, Jules Romain se nommait Louis Farigoul. Et Louis Farigoul est né dans la Haute-Loire le 26 août 1885. Or, son père était instituteur à Montmartre. C'est ce qui explique pourquoi l'enfance et l'adolescence du futur Jules Romain vont se dérouler dans cet endroit particulier de Paris, rue Marcadet d'abord, rue Hermel ensuite et enfin rue Lamarque. Le jeune Louis Farigoul poursuit ses études au lycée Condorcet. Mais quelque chose intéresse le requier, c'est la littérature. Et bien sûr, quelle forme de littérature ? Bien entendu, la poésie. Il va commencer à écrire fort jeune, n'est-ce pas ? Et à tel point qu'en 1903, se promenant rue d'Amsterdam, il découvre que la poésie doit avoir un sens, une signification nouvelle, autre, que les hommes ne sont pas séparés les uns des autres, comme prétendrait le décadentisme. Il a cette illumination, nous y reviendrons longuement, c'est l'unanimisme. À partir de 1906, alors qu'il rentre à l'école normale supérieure, il développe une activité littéraire absolument intense. À tel point qu'en 1907, il va rencontrer d'autres jeunes gens aussi persuadés que lui d'un changement nécessaire de l'art poétique. Ce sont ces jeunes gens qui sont groupés sous le nom de groupe de l'Abbaye et qui se réunissent à Créteil. Mais passons sur ces événements. Ce qu'il y a de plus important, je pense, c'est que Jules Romain, prenant conscience de l'unanimisme, prenant conscience de cet ensemble que forment les hommes les uns avec les autres, va se trouver heurté à la guerre de 1914-1918. Il sera mobilisé, il servira dans les services administratifs, mais dès 1915, il est réformé. Il a été professeur déjà, bien entendu, il était professeur au lycée de Laon, et à la fin de la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, il sera professeur quelques mois au lycée de Nice. Mais déjà, la littérature s'est emparée de lui. Déjà, le théâtre s'est emparé de lui. Déjà, il commence à être un homme connu, un homme important. Si bien que, en fin 1919, il abandonne l'enseignement. Il sera dès lors écrivain. Quel écrivain ? Et comment écrit-il ? Ça, c'est un autre problème. Ce qu'il y a de certain, c'est que commence à naître en lui cette idée qu'il exprimera par un titre, « Les hommes de bonne volonté », et il est justement
un homme de bonne volonté parmi les autres. Il sait très bien, il comprend très bien qu'il faut absolument, impérativement, pour que naisse cette chose qui lui tient à cœur, qui lui est chère, qui se nomme l'Europe, il faut qu'il y ait un rapprochement franco-allemand. Ce rapprochement franco-allemand, eh bien, il va y travailler, il va faire des conférences, se donner une activité énorme à partir de 1926. Déjà, il s'oppose à ce qui va venir et qui est le nazisme. Il est donc très lucide. On polémiquera d'ailleurs beaucoup à ce moment-là contre les thèses de Jules Romain. Les années vont passer et en 1936, voilà qu'il est élu président des Pen Clubs. Ça lui donne beaucoup d'importance. Il voyage énormément. Il fait des conférences. De 1938 à 1940, par exemple, il ne cesse d'aller d'un pays à l'autre parler. Parler au public, bien sûr. Mais ce qui se cache un peu derrière cette activité manifeste, que tout le monde peut voir, un monsieur sur une estrade qui parle, eh bien, il y a une mission diplomatique un peu secrète dont les hommes de bonne volonté qui sont dès lors dans certains pouvoirs le chargent. Ça va amener effectivement, pour Jules Romain, cette conséquence, c'est qu'en 1940, il sera forcé de quitter la France. Et l'un des premiers actes de la Gestapo, lorsque les Allemands entreront dans Paris, sera justement d'aller fouiller l'appartement de Jules Romain et d'essayer de l'arrêter. Il est parti, l'Amérique, puis le Mexique, bien sûr. Et puis il rentre. Là, il se donne aussi beaucoup d'activités. Il ne faut pas oublier qu'il fait appel à la résistance des intellectuels français contre l'occupant allemand. Lorsqu'il rentre en 1946, il est reçu à l'Académie française. Dès 1932, en effet, il avait commencé à écrire cette série de 27 volumes, Les hommes de bonne volonté, justement. Volume dont le dernier paraîtra précisément en 1946. C'est l'histoire d'une génération. C'est l'histoire de ces gens qui ont vécu, la parole est célèbre, la montée des périls. Et il retourne, à partir de 1947, à sa vie d'écrivain. C'est-à-dire à ce travail. Car pour Jules Romain, l'écriture, ce n'est pas du tout l'illumination, ce n'est pas du tout l'inspiration. C'est un travail. Nous venons de l'entendre. Il écrit pour l'honnête homme. Alors, comment écrit-il ? Bien, il écrit tous les jours. Il mourra le 14 août 1972, mais grâce à cette mine extraordinaire de documents que représente la phonothèque de l'INA, nous avons retrouvé, bien sûr, les entretiens que Jules Romain avait accordé à Pierre Lost. Et voilà, à cette question du « comment écrivez-vous », ce que Jules Romain alors répondait. Pendant les nombreuses années où j'ai travaillé aux hommes de bonne volonté, l'endroit où je travaillais le mieux, et presque l'endroit exclusif de mon travail, c'était une maison que nous avons gardée en Touraine, qui était surtout à ce moment-là très isolée, très silencieuse, et où je pouvais travailler, je peux dire, du matin au soir. Je me mettais à ma table de travail à 9 heures, par exemple. Je travaillais jusqu'à 1 heure pour le déjeuner, et je reprenais l'après-midi de 2 à 6 ou 2 à 7. Et il m'arrivait de travailler après le dîner encore 1 heure ou 2 à titre de rabio. Ça, c'était le moment où je travaillais plus, parce que dès ce moment-là, Paris était pour moi difficile. J'avais accepté telle ou telle fonction, tel ou tel travail supplémentaire, et à titre tout à fait bénévole, et ça me prenait beaucoup de temps. J'avais aussi à tenir compte du courrier que je recevais, des visites que j'étais obligé d'accueillir, et dont certaines étaient fort intéressantes. C'est bien qu'en somme, je travaillais très peu à Paris. Alain Duhamel, Jules Romain, qui aurait aujourd'hui 100 ans, s'il est mort, appartient à cette génération qui a été, on peut le dire, labourée, puisqu'il y a deux guerres, il y a les révolutions, il y a l'effondrement, ce qu'on oublie souvent, de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire la balkanisation, avec tout ce que cela va emmener de déséquilibre en Europe. Il y a la révolution soviétique, il y a la montée du fascisme,
il y a la montée du nazisme et ils doivent faire face, non seulement Jules Romain, bien sûr, mais les gens de sa génération, à ces événements. Oui, son cas particulier, c'est qu'au fond, il a toujours eu une philosophie qui était plutôt optimiste et volontariste, et il a traversé des expériences et des épreuves qui étaient au contraire pessimistes et tragiques. Autrement dit, il y a toujours eu, je crois, une opposition formidable entre ses convictions, ses espérances, le message qu'il essayait de faire passer d'une part, et d'autre part, ce à quoi il le confrontait réellement. Alors, c'est vrai que comme tous les écrivains de sa génération, au fond, sa première grande épreuve, ça a été la guerre de 14 quand même. C'est la première chose qui l'a marqué. Il a fait partie de ceux qui en ont tiré une réaction littéraire, si j'ose dire. Il n'était pas lui-même combattant, mais il a été très marqué. Et au fond, c'était une première façon de contredire son optimisme foncier que ce qu'il considérait, lui, comme les autres, comme une boucherie. Oui, absolument. D'ailleurs, il ne rejoint pas Romain Rolland, mais malgré tout... Il prend des distances, absolument. Alors ensuite, cet homme qui était au fond... un centriste, ce serait exagéré de le dire, mais une manière de radical avancé, mais de radical, et pas simplement à la fin de sa vie, parce qu'au fond, il a extraordinairement peu changé d'idéologie compte tenu de la multiplicité des expériences qu'il a traversées. Cet homme qui était quand même un homme du milieu, qui était à la fois moderne, mais qui n'était pas moderniste, qui était ouvert, mais qui n'était pas progressiste, etc., il a été confronté à deux expériences extrêmes qui ont été le communisme d'un côté et qui ont été de l'autre le fascisme et le nazisme. Alors le communisme, il était contre, il a rompu beaucoup de lances et notamment il s'est nettement à plusieurs reprises dans sa vie opposé au socialisme marxiste. Il a publié des essais là-dessus. Honnêtement, c'est pas sa plus grande œuvre. Et c'est pas là-dessus qu'il en a apporté le plus. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant comme reflet de la société à travers son œuvre romanesque que comme théoricien. Reste que c'était sa conviction et c'était sa réaction. Mais d'ailleurs, il faut remarquer, Alain Duhamel, que le seul socialiste dont il se rapproche réellement, dans lequel d'ailleurs il a accompli des sortes de missions diplomatiques plus ou moins camouflées, c'est Henri de Mans. Absolument. C'est-à-dire le planisme, c'est-à-dire le tournant des années 30, c'est-à-dire une forme d'abord de révisionnisme. Bon. En même temps... Dès le début, il fait partie des intellectuels qui s'opposent absolument à la montée du nazisme et du fascisme. D'abord parce qu'il est européen, je veux dire, de culture et d'amitié. Et puis parce que très vite, il comprend de quoi il s'agit. Et il prend des positions qui sont assez fracassantes, qui le distinguent d'ailleurs du comité de vigilance des intellectuels français, par exemple, ou d'écrivains plus directement engagés que lui à cette époque, comme l'était, par exemple, Barbusse ou comme l'était Malraux. Mais il n'empêche qu'il prend quand même position très nettement. Et position telle que, d'ailleurs, pendant la guerre, ensuite, lui-même, il ira d'abord aux États-Unis et puis ensuite au Mexique, et qu'il appellera les écrivains français, les autres, à la résistance. Autrement dit, c'est vraiment un homme qui se sera opposé au totalitarisme au pluriel toute sa vie. Et moi, ce que je trouve extraordinairement frappant, c'est que... c'était un doux, c'était un pacifique, c'était un réformiste, c'était, le mot est un peu ridicule, mais enfin ça veut quand même dire ça, c'était un humaniste. Bon, et il a conservé ses formes d'optimisme au fond d'un homme de 20 ans jusqu'à près de 80. Le siècle a dépassé la ligne d'horizon. Sur le disque, pareil à des rayons qui poussent, des hommes sont debout. Et regarde le monde, c'est nous. Notre chair est remplie encore de naissance. Nous sommes à 20 ans de la flamme qui pense, de la force qui part. La vapeur frénétique agite les chaudières. Nous allons vers demain et nous quittons hier comme un train qui s'ébranle et qui sort de la gare. Pour ne pas empester l'odeur de notre vie, nous balayons le tas des tristesses pourries, les rognures de désespoir. Nous voulons être sains et clairs. Sur notre esprit, quand il s'affaisse, nous secouons l'arrosoir. Les hommes, avons-nous, ont pleuré trop longtemps. Leurs âmes retenaient l'obscurité des temples. Le parfum de l'encens les faisait défaillir. Ils aimaient s'attarder à trop de crépuscules. Et d'avoir vu des dieux qui craquent et qui brûlent,
Ils étaient tous devenus fous. Nous resterons debout malgré que le soir tombe. Le jour, en s'éloignant, nous laisse l'univers. S'il fait noir, nous saurons planter nos dents de fer dans la coquille de l'ombre. Même aux heures de nuit, lorsqu'un mystère épars se glisse près du cœur et l'appelle autre part, et lorsque rien n'insiste plus pour que l'on vive, nous, par-delà les murs et par-dessus les toits, nous entendons avec un tremblement de joie le sifflet des locomotives. Eh bien, voilà, cette présentation de Jules Romain étant faite, je voudrais qu'on approche de l'œuvre, qu'on accroche cette œuvre, qu'on la mette sur la table du studio où nous sommes, si vous voulez. Alors, Marie-Claire Brancard, je voudrais que vous nous parliez, puisque je sais que vous avez étudié ça de très près, d'abord du premier Jules Romain, c'est-à-dire comment Jules Romain devient poète, quels sont ses premiers essais de poésie, dans quoi il s'inscrit, à quoi il s'oppose. Comment il devient poète? Je crois qu'on ne pourrait pas assez insister sur le caractère très expérimental, très corporel de sa connaissance de l'unanimisme, parce que c'est un petit garçon qui, quoique né hors de Paris, a grandi à Paris, auprès d'un père instituteur qui connaissait son Paris comme sa poche, et tous les dimanches, ils sont allés se promener dans les rues de Paris. Ils ont connu la ville d'une manière charnelle. Et je crois que c'est très important pour un poète, parce que on va dire que Jules Romain est un philosophe, qu'il a fortement pensé ses principes, mais d'abord, je crois que pour être un bon poète, il faut inscrire dans son corps une expérience. Et bien entendu, tout commence par un vécu quand il est enfant et quand il est lycéen, et puisqu'il habitait dans le 18e arrondissement, un 18e encore très campagnard, il y avait sur les pentes de Montmartre des chèvres, des cabanes, etc. Et il allait au lycée Condorcet à pied. Il passait donc par le pont Caulaincourt et par la rue d'Amsterdam. Et vous voyez où l'on en vient. On en vient à cette fameuse illumination de la rue d'Amsterdam que je le Romain a eu très jeune, il avait 18 ans, c'était en 1903. Il monte la rue d'Amsterdam toute grouillante de voitures, de passants, et tout à coup, il a le sentiment que son individu n'est qu'une petite parcelle d'un organisme beaucoup plus grand, représenté par la ville elle-même, enfin la rue dans la ville, et puis la ville tout entière. Et c'est de là que lui vient l'idée que le groupe humain peut former ce qu'il appelle lui-même un unanime dès 1904-1905. Mais alors, voilà, le problème, un organisme, c'est un corps. Il faut qu'il ait une âme. Et qui peut lui donner cette âme et cette conscience? C'est justement le poète. C'est-à-dire lui, Jules Romain, enfin, Farigoule, qui a pris rapidement le pseudonyme de Jules Romain, qui va pouvoir parler au nom du groupe et faire sentir l'animation de ce grand organisme qu'est une rue, une ville, un groupe. C'est là que commence son expérience poétique, parce que le premier poème qu'il ait écrit, et alors on imagine ce que c'est si maintenant un poète tout jeune se mettait à écrire un poème au TGV ou au RER, eh bien le premier poème qu'il ait écrit, c'est le poème du Métropolitain. Il était tout jeune alors, le métro, puisqu'il date de l'exposition universelle. Et il chante le plaisir qu'il y a à monter dans un wagon de métro, à s'oublier soi-même, à mourir dans la foule du métro, et la colonne vertébrale que représente l'ensemble des wagons du métro, le tunnel qui est comme une grande gueule de crocodile. Enfin, il y a là tout un lyrisme neuf, parce que d'où est-ce que l'on sortait à cette époque?
on sortait du symbolisme et de la décadence, c'est-à-dire d'une poésie qui soit tournait le dos au réel, c'est le cas de Mallarmé, soit alors pensait que le réel était d'une tristesse insurmontable. Et la seule manière de le surmonter, en fait, c'était de ricaner un peu du désespoir, comme je l'afforgue. Mais enfin, bon, le réel était considéré de toute façon comme mauvais. Tout près des débuts du siècle, je me vois par exemple faisant la connaissance de Vérarne, le grand poète belge d'expression française, qui n'est pas assez lu actuellement d'ailleurs, qui est un bien grand homme. Oui, je me revois déjeunant chez lui dans sa petite maison de Saint-Cloud, oui. C'est vers la même époque que j'ai rencontré, que j'ai fait la connaissance de Debussy, et dans des conditions d'abord bien émouvantes. Nous nourrissions pour lui, un certain nombre de mes camarades et moi, un véritable culte, mais nous ne le connaissions pas du tout, nous ne l'avions jamais vu. Et un jour, on nous annonça qu'au concert Colonne, il allait diriger la première exécution de La Mer. Et pour moi, c'est un des souvenirs qui resteront lumineux dans ma jeunesse, l'arrivée de Debussy, exactement les 10 minutes pendant lesquelles nous l'avons rendu incapable de conduire, parce que nous, du poulailler, nous ne cessions pas de l'acclamer. Vérarène, il était belge. Inutile de vous dire que le symbolisme belge a une toute autre carrure concrète que le symbolisme français. Et alors ce Vérarène qui avait chanté les usines, les grandes villes tentaculaires, c'était son affaire. Mais chez Vérarène, on retrouve au moins autant Victor Hugo que le symbolisme français. Et c'est bien à Victor Hugo que le jeune Jules Romain se rattache, aussi bien par la rythmique de ses vers, qui est beaucoup plus ample que celle d'un Mallarmé ou d'un Laforgue, et par la simplicité de son vocabulaire. Évidemment, quand on parle au nom d'un groupe, il faut être compris par tout le monde. Et là, on retrouve l'ancienne idée romantique de la fonction du poète guide de la foule. Et il y a toute une différence fondamentale avec la génération qui a précédé. Je crois que c'est dû en partie au fait que Jules Romain, qui est né en 1885, avait trouvé tout à fait naturel le nouveau Paris d'Haussmann, qu'il trouvait devant ses yeux, en somme, tout enfant. Alors que les gens qui avaient commencé à écrire vers les années 70-80 ont eu beaucoup de mal à digérer le Paris d'Haussmann, qui a été une espèce de blessure dans la ville, et ont ressenti la ville comme un peu névrosée, un peu parcellaire, comme eux-mêmes. Tandis que chez Jules Romain, c'était la découverte d'une force nouvelle, d'une énergie. Je me plais beaucoup trop à rester dans les gares. Accoudé sur le bois anguleux des barrières, je regarde les trains s'emplir de voyageurs. Ils passent près de moi des piles de bagages. À force de les voir rouler jusqu'au fourgon, tous ces petits morceaux de ville qui s'en vont, de voir les fiacres au dehors comme des fruits dont la coque s'en trouve et qui lâchent leurs graines, et d'entendre filtrer, homme à homme, la rue par les portes vibrantes. Quelque chose en mon cœur ressuscite et remue. Un convoi sort du hall, la cité diminue, l'élan vers les guichets, vers les salles d'attente. L'élan d'autrui me pousse et s'acharne après moi. Je suis trop faible pour chasser ce qui me tente. Une foule qui part, des machines qui tremblent, frôlant mon corps, la fuite des hommes. J'ai froid d'être le seul ici qui ne s'en aille pas.
Je voudrais qu'on en vienne, Bernard Delvaille, plus précisément à cette illumination de la rue d'Amsterdam, ou, pour parler plus concrètement encore, à l'art poétique qu'à ce moment-là se forme Jules Romain. Oui, il y a tout d'abord une chose qui m'apparaît assez symbolique, non pas symboliste, et Marie-Claire Bancard m'a un peu tendu la perche, c'est que Jules Romain, élève du lycée Condorcet, se rend au lycée et en revient par la rue d'Amsterdam, quelques années plus tôt, Mallarmé, professeur au lycée Condorcet, en revient et s'y rend par la rue de Rome. Il y a là une sorte de chasse croisée entre le symbolisme contre lequel Jules Romain va, bien entendu, se rebiffer et la théorie unanimiste et la théorie poétique de Jules Romain. Je crois que ce qui est important, avant peut-être même l'élaboration de l'art poétique de Romain, c'est de voir un petit peu contre quoi il a réagi. En effet, il a réagi contre tous ces poètes qui tournaient le dos au réel, qui tournaient l'épaule à la vie, et aussi à toute une poésie dont il parle dans un de ses tout premiers articles, avant La vie unanime, ou l'un de ses premiers manifestes, entre guillemets. Il évoque les poétesses qui chantent les légumineuses dans les potagers, enfin, et des tas de choses comme ça, de choses maraîchères. Et là, évidemment, il pense à Anna de Noailles. Donc, il y a, disons que pour terminer le symbolisme, il y a deux tendances, deux écoles. Il y a l'unanimisme de Romain et il y a Francis James aussi qui termine le symbolisme et qui ouvre un peu les fenêtres, n'est-ce pas ? Francis James ouvre les fenêtres sur la campagne, Jules Romain les ouvre sur la ville. Mais peut-être que dans la lignée qui va mener Jules Romain à cette poésie de la ville, à cette poésie urbaine, parce que c'est quand même l'un des grands poètes de Paris avec Fargue et avec Aragon, dans cette lignée, je crois quand même qu'elle vient, à travers Verheyen, qu'elle vient de Whitman, qui est peut-être l'ancêtre de tout cela, qu'elle vient de Gustave Kahn, dont on connaît les rapports avec Marinetti plus tard, qu'elle vient en effet des futuristes italiens qui, eux, ne publieront leur manifeste qu'en 1907 ou 1909, et peut-être d'un groupe de poètes dont on parle vraiment de moins en moins, qui est le naturisme de Saint-Georges de Bouëlier. Il y a chez Saint-Georges de Bouëlier une sorte de pré-poésie Jules Romain. Seulement, Jules Romain va avoir cette force et cette importance, c'est qu'il va apporter une seconde révolution dans la... Enfin, une révolution nouvelle dans la technique prosodique, c'est le vers blanc. Jules Romain n'a jamais écrit de vers libre au sens où Henri de Régnier ou Vielle-et-Griffin entendaient le vers libre, c'est-à-dire c'était une chose quand même libre mais très constituée, avec des rimes, avec des différences de rythme. Jules Romain, lui, crée, disons, le vers blanc, qui vient peut-être très lointainement du théâtre élisabétain, mais enfin la forme prosodique anglaise et la forme prosodique française sont tout de même très différentes. Et le vers blanc de Jules Romain est à des règles extrêmement précises de rythme et de rime. Il y a une recherche de rime chez Romain, qu'il décrit d'ailleurs, qu'il exprime, qu'il explique dans certains de ses textes théoriques sur la poésie, assez proche de celle contemporaine. Nous sommes entre 1908 et 1913, c'est-à-dire dans une époque capitale pour la poésie française, et la recherche de rime de Jules Romain est assez proche de celle contemporaine d'ailleurs d'un Tristan de Rème. C'est un peu une sorte de contre-assonance, n'est-ce pas ? C'est de faire rimer songe avec ange, c'est-à-dire de chercher des rimes qui ne sont pas évidemment normales, qui ne sont pas les véritables rimes de la poésie française, mais qui font quand même des rappels à l'oreille extrêmement, auxquels on est extrêmement sensible. Si la vie unanime, comme le dit Gide, je crois, est un livre écrit en alexandrin pratiquement, et encore quand même, c'est l'un des premiers essais poétiques de Jules Romain, après L'âme des hommes, à mon avis, le grand livre de poésie de Jules Romain, c'est les Odes et prières. Et les Odes obéissent à un format prosodique extrêmement précis, du vers blanc, octosyllabe, distribué en quatrains. Et c'est il y a chez Jules Romain, il y a je crois toujours eu, peut-être même très tard dans son existence, une volonté de régir
de maître, de professeur. Il y a quelque chose de pédagogique chez Romain. Ce qui peut-être lui ôte parfois un certain sens de la fantaisie, de la liberté, de l'humour. Il n'y a pas beaucoup d'humour chez Romain malgré son théâtre. Demander à un écrivain quelles sont les tendances de la littérature actuelle, c'est lui demander quelles sont ses propres tendances. C'est le pousser à faire une profession de foi. Sans autre cérémonie, donc, je vais vous donner un résumé bref et catégorique du programme que je défends. Comme matière, la vie unanime en elle-même et dans ses rapports à la vie individuelle. Comme forme, l'expression la plus claire, la plus complète, la plus belle de cette matière. D'où, premièrement, un français irréprochable, sans contorsion, sans néologisme, sans écart individualiste. Deuxièmement, l'indifférence pour toutes les règles esthétiques, le mépris des entraves, l'emploi impartial de toutes les ressources. Troisièmement, la liberté non pour elle-même, mais pour la traduction exacte de la vérité et la réalisation parfaite de la beauté. En somme, me semble bon, tous les moyens qui nous permettent de fournir aux hommes de notre temps une représentation de la vie unanime, qui soit vraie, qui soit belle, dont ils puissent comprendre la vérité et sentir la beauté. Acceptons de nos devanciers les instruments inventés et perfectionnés par eux, vers régulier, vers libéré, vers libre, prose rythmée, prose. Pour en user, ne consulter que notre goût et notre inspiration, la plus profonde des théoriciennes. À quoi bon choisir entre le théâtre, le poème ou le roman? Les trois valent mieux qu'un. Je pense toutefois que la poésie est plus prête que le roman, et le roman que le théâtre à subir les influences nouvelles. La poésie montrera le chemin aux autres genres qui la suivront. Je crois à une revanche de l'art objectif sur le subjectivisme effréné, de la composition sur le fouillis. La vie unanime est riche en vaste ensemble. Le détail restera subordonné à l'effet total, mais le lyrisme garde sa place. Il traduira le retentissement de la vie unanime dans l'individu et les soubresauts de l'âme individuelle aux prises avec l'unanime. Raison ou passion, laquelle introniser, laquelle bannir? N'exilons personne, je plains l'art qui n'a pas besoin d'intelligence et de sensibilité. Dans la connaissance que l'homme a des choses, les notions précises voisinent avec les intuitions mystérieuses. L'âme moderne contient beaucoup de lumière et beaucoup de pénombre. Le Parthénon est Notre-Dame. Ayons un art non moins vaste, mais pas de pénombre inutile. L'individu peut concevoir la vie unanime abstraitement au moyen de son esprit. Il peut en prendre une conscience concrète grâce à une espèce d'amour divinatoire. L'artiste peut étudier la ville en psychologue et la contempler en croyant. Raison et mystique. Vous soulevez quand même un lièvre. Je veux dire que on fait des confusions. Toujours, dès lors que l'on parle de Jules Romain, ou plus exactement de l'unanimisme, c'est-à-dire qu'on se met à confondre le groupe de l'abbaye avec Jules Romain lui-même. Ils se sont rencontrés. Bien sûr. La vie unanime paraît aux éditions de l'abbaye de Créteil. L'édition originale est publiée par ce petit groupe de poètes autour de Georges Duhamel et de Charles Vildrac, de René Arcos, de Mercereau, de quelques autres, qui avaient fondé un petit phalanstère à Créteil et qui voulaient imprimer eux-mêmes leurs livres. Et la vie unanime paraît là. Seulement, il est bien certain que Jules Romain, comme d'autres qui gravitaient autour de cette abbaye de Créteil, je pense à Martin Barzin, à Nicolas Bauduin, qui avait fondé l'école paroxyste, tous ces gens-là, eux, se sont quand même très, et Pierre-Jean Jouve dans une certaine mesure, mais ça nous entraînerait trop loin, ces gens-là, et Durtin, ces gens-là se sont quand même séparés du côté humanitaire, si je puis dire, d'un Duhamel et d'un Vildrac, dont la poésie, qui est aussi en vers blanc, surtout chez Duhamel,
est quand même très individualiste et chante l'homme dans sa quotidienneté la plus douloureuse, la plus généreuse. Il y a un côté presque fait de charité chez Duhamel, ou chez, ça vient peut-être de son côté médecin, ou chez Vildrac, qu'il n'y a pas chez Jules Romain, qui est beaucoup plus intransigeant et beaucoup plus... Je crois que Marie-Claire Bancaire n'est pas d'accord. Moi, je vous trouve un peu dur pour Duhamel. En général, je pense qu'on ne met pas tout à fait à sa place quelqu'un qui a été un auteur de romans tout à fait remarquable. Moi, je place Salavat très haut. Je dois dire très franchement qu'entre les Salavat et la Nausée, je ne sais pas qui je donnerais la palme. Et alors, là, vraiment, il y a eu chez ces poètes, et bien entendu, bon, Duhamel n'est pas à mettre dans le même sac unanimiste que Jules Romain. Jules Romain a été le seul à avoir véritablement une doctrine liée, cohérente, de poésie et de poétique en même temps. Mais moi, je trouve... Alors, j'aime beaucoup les Odes et prières. Je dis tout de suite qu'Un être en marche me semble aussi très intéressant. Pour une raison, c'est que c'est un poème qui se passe en 24 heures et dans lequel on ne trouve pas un verbe au passé. Tout est au présent. Et je crois que ça traduit très bien le caractère très concret, très immédiat de l'unanimisme. Je crois que si l'on voulait parler de la sensibilité de Jules Romain, c'est quelqu'un qui a eu le souci de compenser la fuite du temps, l'usure du temps, par une expansion dans l'espace. Mon cher maître, à votre avis, quelle place la poésie tient-elle aujourd'hui dans le monde ? Une place de plus en plus restreinte, hélas. D'ailleurs, j'ai exprimé là-dessus des sentiments que j'ai encore. Si vous me permettez, je vais vous lire un passage qui se trouve traiter cette question. Enfin, traiter comme un poème peut traiter une question. Pour laisser grandir lentement le poème... Il faut avoir en soi quelques bêtes aveugles et une joie plus ancienne que l'esprit. Saint poète, aïeux et maître, jamais vous n'avez irrité l'ande plus stérile que ce monde où nous jetons la voix encore. Vos affronts, vos martyrs nous font envie. Qu'on nous rende vos déchirantes couronnes moins dures au front que le nouveau destin. Car voici que le poème ouvre la porte. Il respire deux ou trois fois. Il regarde. Pas trace d'ennemis alentour. Pas même un vol d'oiseaux mal situé dans le ciel. Le poème sourit d'être libre et seul. Fait-il pas bon marcher dans ce large siècle où tout l'espace a l'air d'un chemin commode ? Qui m'empêche d'aller jusqu'au bout du monde ? Et le poème avance au pas, presque vite, sans buter sur rien, sans voir âme qui vive. Le poème avance toujours, tout est vide, sauf une cendre au loin que le vent détourne. On dirait qu'une armée a fui derrière l'horizon et qu'elle a fait ce désert pour protéger sa déroute. Le poème avance encore, avance... et ne trouve rien. Il s'étonne du silence. Il veut appeler quelqu'un. Le poème parle. Sa voix monte dans l'air facile. Monte sans revenir. S'éloigne sans que rien résiste. Tout s'efface à l'infini. Tout se dérobe ou se rend. Il règne autour du poème une affreuse transparence. Rien ne t'empêche d'aller jusqu'où le monde n'est plus, ô poème, plus seul qu'un rayon perdu par la lune. Qu'importe. Poète, certes,
mais également, et là n'oublions pas, romancier. En 1911, par exemple, il publie « Mort de quelqu'un ». Et je pense, Michael Bancard, que ce roman est injustement méconnu et qu'il faudrait lui faire peut-être un sort particulier. C'est un excellent roman, petit roman, très vite lu, qui montre bien, en quelque sorte, en action, l'unanimisme. Il met en scène un certain... Il s'appelle Godard. Ouais, c'est vraiment, on en est presque à Godot, n'est-ce pas? Et vraiment, si on pense aux gens du théâtre de l'absurde, on aurait un petit peu raison quand on pense au personnage de Godard chez Jules Romain, parce que c'est un être proche du zéro. C'est un tout petit employé infime qui est un retraité depuis longtemps, qui n'a pas de rapport avec les gens de la maison dans laquelle il vit, une maison locative, très humble, parisienne. Et puis le voilà qui meurt un beau jour d'un arrêt du cœur. Le concierge le trouve mort en allant faire son ménage. Et il se met à vivre d'une autre vie, beaucoup plus vaste que celle qu'il avait lors de sa retraite. Car alors, la maison se met à être un unanime autour de lui. Les colocataires se disent, on ne peut tout de même pas ne pas faire une quête pour cette personne qui est morte. Elles se mettent donc à se connaître les unes les autres, ces personnes. Et puis on suit l'enterrement, on parle de Godard, on se demande s'il a encore de la famille, enfin toutes sortes de choses se passent. Et Godard vit d'une vie matérielle qui s'étend même dans Paris, puisque à cette époque-là, les convois funéraires à cheval étaient lents, on passait dans les rues et les gens se découvraient au passage de l'enterrement. Alors donc voilà Godard qui a une trace inespérée dans la capitale. Évidemment pour peu de temps, mais cependant, pendant quelques mois, son souvenir vit encore, jusqu'à ce qu'un adolescent, à la dernière page du livre, prononce son nom. Bien, c'est ça l'unanime. Godard a survécu, et il a même survécu plus fort qu'il n'a vécu, pendant quelques mois, grâce à ce groupe parisien qui s'est formé autour de lui. C'est vraiment un très, très bon roman. Mais il y a toujours chez Jules Romain un curieux rapport entre l'espace et le temps. Je veux dire que, autant poète que romancier, il donne la priorité à l'espace, oui, plutôt qu'au temps. Je crois, vous savez, par exemple, le premier volume des Hommes de bonne volonté. C'est ça. Alors, ce premier volume qui se passe en 1908, le 6 octobre, mais qui a été écrit en 1932, il se passe en un seul jour aussi, comme Un être en marche, et il a cette particularité qu'au début du roman, on voit des ouvriers en bâtiment, en train de peindre une banderole de réclame. Et les gens passent devant l'étalage, regardent les premières lettres, ça n'est pas fini. On y revient plusieurs fois à cet étalage, il y a des lettres qui s'ajoutent petit à petit. Et lorsque la banderole est finie, l'après-midi est bien entamé et le roman est sur le point de se terminer. Alors ça, c'est une technique qui, en France, en 1932, a quelque chose de très moderne, n'est-ce pas? Évidemment, on peut parler de Joyce, mais en France, on pourrait difficilement penser à un écrivain qui ait structuré ainsi un de ses romans. Et je crois que c'est dû, comme vous le disiez, à la très forte spatialisation de l'esprit de Jules Romain. Moi, je pense que l'une de ses angoisses cachées, car c'est un homme qui n'aime pas voir passer ses angoisses au public, c'était précisément l'usure temporelle. Vous savez, il a commencé par être atteint, comme il dit, atteint de mysticité, vers l'âge de 14 ans. Il a eu beaucoup de peine à se défaire de cette idée qu'il n'existait pas une immortalité en Dieu. Et je crois qu'il l'a placé dans l'espace. Venez un peu ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues, dans 250 de ses maisons. Il s'en faut que nous les voyons toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine.
250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Bernard Delvin. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours fasciné dans le premier volume des Hommes de bonne volonté, c'est-à-dire le 6 octobre, c'est le fait que Jules Romain habitait Montmartre, et de Montmartre, je pense qu'il regardait plutôt vers la banlieue nord que vers Paris. Et ce qui me frappe toujours chaque fois que je relis le 6 octobre, et ça m'arrive assez fréquemment, c'est le tout début, je crois, c'est-à-dire le moment où les trains pénètre dans la ville, et on peut dire la ville avec un grand V, et où Jules Romain imagine chaque train arrivant de grandes banlieues, arrivant de l'étranger, d'Amsterdam, et convergeant vers les gares du Nord et les gares de l'Est, et il imagine là la pensée de chacun des voyageurs dans leur compartiment. Il y a là une nouvelle fois une sorte d'unanimité qui est celle du voyageur dans le train qui, vers 5 heures du soir, va pénétrer la ville, comme c'est un texte quasiment érotique. Enfin, la pénétration du train dans la ville de Paris a des connotations érotiques. Et ça, c'est un des passages qui me frappe le plus dans ce livre. Et là, je voudrais en venir au Paris, quand même, de Jules Romain. Et ces trains, n'est-ce pas, il y a dans Puissance de Paris des textes qui est une suite de poèmes en prose, de textes en prose. Il y a des textes sur la place de l'Europe et sur des endroits comme ça qui sont des nœuds. Jules Romain a une expression, quelque part, il parle des grumeaux. Les grumeaux, ce sont les carrefours, ce sont les nœuds où la ville crée entre les rues, entre les boutiques, entre les cafés, entre les maisons, une sorte de chose collante où la foule se déverse. Enfin, il y a comme ça des grumeaux dans Paris. Là, autour de la Bastille, il y a un grumeau. Dans les passages. Dans les passages, bien sûr, mais qu'Aragon reprendra par la suite. Ces sortes de nœuds où la foule anonyme, comme ça, à certaines heures de la journée, par exemple, je crois que c'est dans Rose de Paris, où il évoque la rue Réaumur, qui est le quartier des journaux, et où il évoque un bistrot dans une... ou c'est peut-être dans l'Aude génoise, plutôt, un bistrot qui est dans une anfractuosité du mur, enfin, qui est une sorte de taverne, de refuge. Enfin, il y a ce côté bête, un peu, aussi, dans certains textes de Jules Romain, un côté terrier, enfin. Alors, vous dites terrier, parce que, justement, un passage qui avait beaucoup requis Aragon, c'est également dans les Hommes de bonne volonté, c'est cette idée de la communication. Elle n'est pas nouvelle à Jules Romain, mais enfin, il la met tellement bien en lumière. Cette communication souterraine à Paris, c'est-à-dire que cette imagination de caves communiquant les unes avec les autres. Ah, mais c'est même encore mieux, il y a en effet ces caves communicantes, mais il y a aussi l'idée des 365 appartements, et ça pour le coup, c'est une idée de Jules Romain. Ces appartements qu'on aurait du temps d'Haussmann, percés de telle sorte qu'ils communiquent parfaitement les uns avec les autres, sans que personne s'en doute de l'extérieur. Et alors il y a comme ça une espèce de long serpent qui traverse Paris, non même pas par les caves ou par les égouts, comme Hugo l'avait déjà imaginé, mais par le dessus. Et c'est beaucoup plus érotique aussi par le dessus, parce qu'on entre dans la vie intime des gens. Il y a même, dit quelque part Jules Romain, des adultères à la carte, comme ça, qu'on peut faire. Et puis, on découvre toutes sortes de choses secrètes. Et en même temps...
un grand désir, un grand désir de Paris lui-même, de la ville qui n'aurait pas de scission en elle. C'est pourquoi je crois qu'il a tant aimé les passages, comme le passage Choiseul aussi, parce que c'est creusé à l'intérieur des pâtés de maison et ça permet aux gens d'entrer dans le système, d'entrer dans l'organisme, dans le corps, qui est comme un corps maternel, le corps de Paris. Le troisième volume, je crois, ou le quatrième, non, le troisième, je crois, s'appelle Eros de Paris. Eros de Paris. Ce qui est tout de même très révélateur. Et alors, oui, je voulais dire, le Paris de Jules Romain n'est bien évidemment pas celui des touristes. C'est celui de la banlieue nord, c'est celui du quartier Lamarck-Caulaincourt, c'est évidemment celui aussi du 16e arrondissement où habitent les Saint-Avertins, je crois, dans les Hommes de Bonne Volonté. Les Saint-Papoules. Saint-Papoules. Bon, le vrai Paris de Jules Romain, c'est celui du petit Louis Bastide qui promène son cerceau dans les rues de Montmartre. Mais, et je pense aussi à un très beau poème. Il y a ce merveilleux poème qui s'appelle « Amour, couleur de Paris », qui est peut-être le chef-d'œuvre poétique de Romain. Et je pense à d'autres poèmes qui se passent aussi du côté du canal Saint-Martin. C'est un peu ça aussi, le Paris de Jules Romain. Et le vin blanc de la Villette. Et le vin blanc de la Villette. Et ce poème où il évoque la place de Beach en disant qu'il fait bon frissonner, place de Beach à 10h du matin. Enfin, c'est donc un Paris très populiste, presque, plus que populaire, populiste, qui est le sien. Et on le sent assez mal à l'aise quand il s'agit de parler de ce qu'Aragon appellera les beaux quartiers. Bah oui, il avait grandi dans ce Paris populaire et pauvre. Et au fond, fils d'un ménage d'instituteur, il était plutôt du côté des enfants qui sentaient la gêne chez eux. Et quelqu'un qui sera très proche de lui, c'est le Robert Sabatier des Allumettes suédoises. Exactement, oui. J'étais un très grand piéton à Paris, un très grand marcheur. J'ai traversé Paris dans tous les sens, je connais tous les quartiers. Mais c'est vrai jusqu'à la guerre dernière. Depuis la guerre, c'est devenu impossible. Il est devenu impossible de se promener. Quand il s'agit d'une rue du centre, vous êtes happé par les autos. Et comme on a retracé les trottoirs, vous n'avez même plus la place de flâner. Et quand il s'agit des quartiers extérieurs que je connaissais fort bien. Ben là aussi, c'est devenu très difficile. Enfin, c'est un plaisir qui a disparu pour moi. Ô ville, il va paraître en toi, mon pauvre livre. Ce ne sera d'abord qu'un tas dans la pénombre, un paquet lourd le long de la muraille, ayant la carrure des blocs que portent les fardiers et l'odeur de la terre où la pluie est tombée. Un jour, quelqu'un viendra dans l'arrière-boutique. Il défera les nœuds et fendra les papiers. Les volumes, gardant la morsure des cordes, laisseront peu à peu, par secousses vivantes, tous leurs feuillets se dilater pour s'emplir d'air. De petites rainures blanches voleront comme d'un vieux bouquet de reine Marguerite. Le livre comprendra que ce n'est plus la nuit et des piles enivrées crouleront à terre. Puis on les mènera bien loin les uns des autres. Ils bondiront au creux des voitures à bras. Ils te traverseront et tu n'entendras pas leur rumeur pourtant plus sonore que les eaux. On les mettra debout au coin des étalages, peut-être au dernier rang, cachés jusqu'à mi-corps et penchés en arrière comme des mourants. Rien ne sera changé à cause de mon livre. Jean-Laurent Cochet, vous avez une amitié assez particulière vis-à-vis de Jules Romain, particulièrement non seulement de son théâtre, mais également de ses poèmes. Oui. Je voudrais savoir pourquoi. Oh, écoutez, je suis fou de Jules Romain. Parce que pour moi, et pas seulement parce qu'il est encore, à mon avis, méconnu relativement à l'abondance de son œuvre, qui est une œuvre dans son ensemble, poème, pamphlet, roman, bien sûr, théâtre, absolument unique. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire que les Hommes de bonne volonté sont quasiment supérieurs à la comédie humaine. Je veux dire que j'aime l'homme.
J'aime l'écrivain, j'aime avant tout celui qui a, non pas inventé une doctrine, parce qu'en fait c'était beaucoup plus sensible et sensoriel que ça, mais l'homme de l'unanimisme. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'on ait jamais érigée en dogme pour mettre en valeur la fraternité, l'union, non seulement entre les hommes, mais entre les hommes et ce qui les entoure, qui donne la vie aux pierres, aux rues, aux villes, cette espèce d'effusion qui se communique entre eux jusqu'à la mort et au-delà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un écrivain aussi maître de sa langue, qui a une écriture aussi calibrée, aussi châtiée, soit cet homme en même temps si abondant, si sensible. Et ce qu'on trouve dans ses premiers poèmes, ce qui m'avait fait appeler ma soirée poético-théâtrale il y a 2 ans ici à Héberto, La vie unanime, puisque c'était le titre d'un de ses premiers recueils, grâce à Lise Jules Romain, j'avais pu l'utiliser. On s'était servi de beaucoup de ses poèmes et de certains de ses amis, Vildrac et tous les autres unanimistes, et puis ça m'avait permis de remonter ce que Jouvet considérait, bien que la pièce ne durât que 27 minutes, comme le chef-d'œuvre théâtral de Jules Romain, c'est Amédée, les messieurs en rang que Jouvet avait monté, vous savez, pour accompagner Knock à la création, en disant, bon bah Knock ne marchera peut-être pas, mais au moins Amédée sera un chef-d'œuvre que j'aurais fait découvrir. Et c'est Amédée qu'il a fallu arrêter au bout de 3 jours, tellement c'était en avance sur son temps, et Knock a fait la carrière que l'on sait. Et on a repris ici Amédée, et ça a été une merveille, parce que dans un plus petit cadre, les gens en ont perçu le frémissement, la drôlerie, car il y a toujours l'humour et la causticité chez Romain, mais en même temps, cette espèce de profondeur sensible de choses assez inanalysables, qui est cette circulation de l'air et des sentiments entre les êtres. C'est ce qui m'a amené l'année d'après à monter Donogo. Après, c'était un vieux pari que je m'étais fait lorsque la pièce était entrée au répertoire du Français et que je jouais dans Donogo, fort bien monté par Meyer, mais dans le cadre du Français, avec ce que ça entraîne de grandeur, quelquefois un petit peu d'écrasant. Ici, j'ai pu retrouver, je pense, ce qu'était l'esprit que voulait Jules Romain, d'après ses écrits, d'après ce qu'elle m'a dit sa charmante femme, ce côté un peu canular qui fait justement d'autant mieux déboucher sur la philosophie. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme vous êtes un homme de théâtre, le fait d'avoir un public ne crée pas justement une condition favorable à ce que Jules Romain appelait l'unanimisme, c'est-à-dire où tout d'un coup, il y a une circulation, où tout d'un coup, vous n'existez pas sans le public. Oui, absolument. Cela dit, vous avez 1000 fois raison, et on le sent, nous, quand on joue Jules Romain, ou quand on joue d'autres choses, avec ce que représente justement cet échange avec le public. Mais ce qu'il y a d'assez curieux, à quelques années près, je ne pourrais pas vous dire les dates exactes, c'est qu'en fait, Jules Romain est venu au théâtre, sauf les toutes premières pièces, qui étaient plus des essais poétiques, je pense à Cromdère le Vieil ou des œuvres comme ça, est venu au théâtre après quasiment toutes les autres sortes de styles littéraires. Et on se demande, voilà, et on se demande, pour répondre à votre question, qui est parfaitement pertinente, mais si ce n'est pas le fait d'avoir dans sa vie, dans ses relations, dans ses promenades, c'est surtout comme ça, la fameuse rue d'Amsterdam, où tout d'un coup il a eu le déclic, comme Claudel a eu sa conversion derrière sa colonne à Notre-Dame, si c'est pas ça qui lui a donné justement l'envie d'aller plus avant dans le théâtre. Parce qu'on sent dans tous ses premiers romans, dans les dialogues de ces œuvres romanesques, on sent déjà ce don pour le théâtre, parce qu'il y a eu de grands romanciers qui sont venus au théâtre, qui ont réussi une pièce ou deux, bon, mais qui n'ont pas été forcément de grands dramaturges, ni surtout de grands écrivains de théâtre, tandis que Romain, sa langue est admirable pour les acteurs, donc pour le public, et crée cette circulation. Un gendarme demande monsieur. Déjà ? C'était comment déjà ? Oui, j'ai eu des difficultés avec la police ce matin, à 250 km d'ici, vous voyez qu'ils vont vite. Hein. Introduisez le gendarme. Non, ne bougez pas, monsieur le pape. Ça me fera plaisir d'être arrêté en votre présence. Comme ça, pas besoin de défaire mes valises. Gendarme, je vous suis, monsieur. Mais nous pouvons régler ça ici. Ici. Je n'ai besoin que de votre livret militaire. Pour vérifier mon identité. Non, pour changer votre fascicule de mobilisation. Hein ? C'est-à-dire ? Le remplacer par un nouveau. Non, alors il y a erreur, monsieur. Vous êtes bien Mus Jean ? Oui. Aucune erreur, donc. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus ? Que vous devez rejoindre le 3e jour. Le 3e jour de quoi ? De la mobilisation. Mais... Ah, mais j'ai déjà été mobilisé, monsieur. Je vous garantis que ça a été fait, et bien fait. Je peux même vous dire la date, le 2 août 1914. Mais ça n'empêche pas. Et qu'est-ce que ça n'empêche pas ? Mais voyons, mon cher ami, les deux choses n'ont aucun rapport. Vous parlez du passé. Ceci,
qui concerne l'avenir, vous dites ? Enfin, je veux dire que vous êtes encore d'âge mobilisable. Oh, un peu de bon sens. Pourquoi diable voulez-vous qu'on me mobilise de nouveau ? Mais on ne vous mobilisera peut-être pas. Alors, je n'ai pas besoin de votre fascicule. Vous en avez besoin pour le cas où ? Le cas où ? Quel cas où, bon Dieu ? Je ne sais pas. Le cas où il y aurait... Où il y aurait quoi ? Où il y aurait de nouveau... Enfin... Remarquez que ça n'arrivera peut-être jamais, que c'est à souhaiter que non. Oui, naturellement, je le souhaite aussi. N'est-ce pas, gendarme ? Nous le souhaiterons tous. Bien sûr. Non, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez tous à souhaiter, bon Dieu ? Mais que qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre. Oh. Que, au moins de sitôt. Et ce retour à l'humour. Parce qu'enfin, il sort d'un théâtre symboliste, d'un théâtre décadent, absolument. Un peu ibsénien. Ah, complètement, hein, oui, complètement. Et tout d'un coup, alors, il retrouve une veine. Totalement. Rabelaisienne, moliéresque. Exactement, exactement. Mais ça, je crois que ça tient justement à la réaction en elle-même, à tout ce qu'il éprouvait de son temps et un peu en avance sur son temps. Et puis, je crois surtout à cette intelligence très, très aiguë, avec de la tendresse, mais très, très ironique, très caustique, il avait infiniment d'humour lui-même et je crois que son intelligence lui a fait comprendre que les plus grands sujets devaient être traités sinon avec le recul de la dérision, comme elle fait trop maintenant, mais avec au moins celui du scepticisme et que c'est pour ça que justement il retrouve les grandes verves rabelaisiennes et moliéresques dont vous parlez. Oui, mais vous dites scepticisme, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? Est-ce que tout d'un coup, il n'y a pas une générosité ? Oh, mais je comprends, bien sûr. Non, mais je dis scepticisme dans le sens où Serge Guitry, par exemple, disait que tout homme qui ne considère pas dans son interlocuteur en face la part d'éventuel scepticisme n'est pas un homme complètement intelligent. Je veux dire qu'il y a une espèce de distance, on parle de distanciation qu'il faut avoir avec les choses et avec les êtres pour essayer de d'autant mieux survoler le sujet qu'il est généreux, qu'il est abondant, qu'il est important. Vous l'avez connu ? Hélas, non. Mais vous savez, ce sont des gens que j'aime tellement, que j'ai tellement travaillé, que je sers tellement, que je finis par en parler comme s'ils avaient vraiment été mes proches. Et je crois qu'il y a une espèce de vérité là-dedans. Je crois que l'unanimisme va bien au-delà, justement, des rencontres humaines et que tout ça est accroché dans des mondes qui nous entourent et j'y vois là des signes qui tissent ma vie. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose de très actuel aujourd'hui ? Complètement. C'est bien pourquoi une partie de son œuvre a été souvent en avance sur son temps. Alors, elle plaisait pour ces raisons-là, et puis après, on croyait qu'il y avait une période de défaveur. Et si on y revient, c'est pas seulement à l'occasion de ce centenaire, qui est le bienvenu d'ailleurs, mais c'est surtout parce que l'œuvre est complètement moderne. Quand on a joué ici Donogo, les gens étaient sidérés de l'actualité des thèmes, du ton, des propos, et ils croyaient que j'avais arrangé les choses. Oui, bien sûr. Et je n'avais pas touché un mot. Et vous continuerez De tout mon cœur, chaque fois que j'en aurai l'occasion. Il y a beaucoup de Monsieur pièces à prendre. Le Troidec. Monsieur le Troidec, ça a été assez souvent repris récemment. Oui. Il y a une pièce qui est très belle, c'est Mus, ou l'école de l'hypocrisie, qui est une chose merveilleuse, qui avait joué Dulin. Il y a une pièce qui n'a jamais été représentée, qu'il avait écrite juste avant la guerre de 39, et là aussi il avait été visionnaire, qui s'appelle Grâce encore pour la terre, mais qui est d'un ton un petit peu particulier, où il y a presque à nouveau une part de symbolisme, là, alors, avec toujours l'humour au coin de l'œil. Et puis, puisque j'espère, dans des années, puisque ça vient d'être repris, mais comme c'est un chef-d'œuvre, ça peut se reprendre régulièrement, ce que j'espère bien un jour, c'est m'offrir ou que l'on m'offre le rôle de Volpone. Ah, Mosca, comme tu as peu appris à mon contact. Crois-tu sérieusement qu'il faille faire courir les ducats pour avoir tout ce que tu dis? Laisse-les bien sagement les uns à côté des autres. Laisse-les reluire en paix. Les gens viendront tout offrir d'eux-mêmes. Tu verras les femmes ramper vers ton lit, les hommes faire des courbettes, les marchandes fournir à crédit, et les poètes t'encenser. C'est ça, la magie de l'argent. Son odeur suffit à saouler les hommes. Tu le leur fais flairer, rien que flairer, et ils t'arrivent à plat ventre, et ils tendent le cou, et la tête leur tourne. Flairer, je te dis, flairer, il ne leur en faut pas plus. Et toute cette racaille te tombe dans la main comme des mouchons dans le feu. Ami Volpone, cher Volpone, comme il me caresse, comme il me serre, comme il susurre et frétille. Que j'aimerais les écraser, tous ces cobras.
Mais ils dansent au son de ma flûte. Ils m'apportent des cadeaux. Ils m'intéressent à leurs affaires. Les hommes m'offrent leur argent. Les femmes leur... Oui, j'ai la plus belle situation de Venise. Anna Duhamel, Volpone de Ben Jonson, a été adaptée en français par Jules Romain, mais aussi avec la collaboration de Stefan Zweig. Or, nous connaissons le destin de Stefan Zweig. Il y a là, comme la concrétisation, je pense, dans ce simple fait de cette traduction, d'une certaine idée d'Europe. Et je me demande si cette idée d'Europe existe encore. Alors, je crois que c'était le propre, pas simplement de Jules Romain, mais de gens de sa génération. Je dirais que Romain, de ce point de vue, était très typique, au fond, des normaliens socialisants, littéraires et humanistes. Je veux dire, la République des professeurs, ce qu'on appelait la République des professeurs pendant l'entre-deux-guerres, qui était à base de normaliens de gauche et de centre-gauche, hein, ça allait de Blum à Herriot, bon, bah, il y appartenait de plein pied. Et au fond, il y a eu une première idée d'Europe vraiment active et d'ailleurs très française, qui était autour de l'idéologie de la société des nations et qui était incarnée par un homme qui était brillant, qui justement était un socialiste modéré. Bon, il correspond assez bien à ce premier éveil de l'Europe et assez bien à ces Européens qui justement ont cherché à se définir à la fois contre le communisme naissant et contre le fascisme et le nazisme apparaissant. Là encore, on retrouve la même idée de Romain, c'est-à-dire la même permanence, c'est-à-dire que cette idée qui était une idée presque de jeunesse, qui avait été stimulée naturellement par la guerre de 14, hein, dès le début, ça avait été aussi la réaction de base. D'ailleurs, il a publié sur le couple franco-allemand, c'est pas un hasard. Je veux dire, son européisme était en même temps une forme aussi de rejet de la guerre, mais ne le rendait complaisant en rien vis-à-vis de toutes les formes d'autoritarisme, au contraire. Et ce qui est alors assez impressionnant, c'est la façon dont, malgré ces épreuves, malgré les deux guerres mondiales, malgré les totalitarismes, les fascismes, etc., cette idée d'Europe, il l'a conservée jusqu'au bout, et il en est resté un théoricien, c'est-à-dire qu'il a sauté à pieds joints par-dessus les guerres mondiales, et il était européen entre les deux guerres, il l'a été encore après la Seconde Guerre, et je dirais même que ses dernières œuvres, qui n'étaient peut-être pas les meilleures, mais ses dernières œuvres restaient très européenne et que ses derniers articles politiques restaient très européens. Au fond, il voyait dans la réconciliation franco-allemande une condition très favorable et nécessaire à l'existence de l'Europe. Absolument, et il l'a vu avant la plupart des autres intellectuels, d'une certaine façon, alors qu'il avait un style qui n'était pas moderniste et il avait un registre littéraire qui n'était pas d'avant-garde. Bon, eh bien, malgré ça, d'une certaine manière, il a peut-être été idéologiquement plus en avance que les autres, plus en avance que tous ceux qui paraissaient comme l'avant-garde, notamment pendant l'entre-deux-guerres. Et il s'est probablement un des premiers vraiment attaché à ce que peut être une Europe réelle, je ne dirais pas telle qu'elle existe, mais telle qu'elle peut exister et telle qu'elle a quand même finalement des chances d'exister, puisque à travers deux guerres mondiales et à travers deux grandes crises économiques mondiales, celle des années 30 et celle d'aujourd'hui, c'est une idée qui finalement continue à être vivace. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'en Europe, les solidarités s'affirment et sont de plus en plus soulignées, alors que, après tout, deux guerres mondiales et deux crises mondiales, ça aurait pu faire éclater ça en morceaux. Europe, je n'accepte pas que tu meures dans ce délire. Europe, je crie qui tu es dans l'oreille de tes tueurs. Europe, ils nous ferment la bouche, mais la voix monte à travers tout comme une plante brise-pierre. Ils auront beau mener leur bruit, je leur rappelle doucement mille choses délicieuses. Ils auront beau pousser leurs crimes, je reste garant et gardien de deux ou trois choses divines. Venons-en à deux autres poèmes de Jules Romain qui peuvent présenter un côté assez gênant. D'une part, Europe, mais enfin, Europe se justifie parce qu'il y a la guerre de 14-18, bien sûr, mais il y a l'homme blanc. Il y a d'une part, bon, cette idée européenne chez Jules Romain, mais qui place l'Europe au-dessus des autres continents. Bon, ça, c'est aussi hugolien, bien entendu, les États-Unis d'Europe. Mais l'homme blanc est quand même un poème dont on a pu dire qu'il était raciste, Bernard Delvin. Oui, Europe est peut-être un peu liée aussi à cette filiation qui vient d'ailleurs plus ou moins de l'abbaye, qui est celle de Romain Rolland, et d'au-dessus de la mer, d'un certain pacifisme de Jules Romain. L'homme blanc est en effet un poème assez délicat à prendre,
Disons tout de suite que là, quand même, Jules Romain, au point de vue forme, aborde une autre forme poétique qu'il avait peut-être déjà abordée dans l'Aude génoise. C'est le vers très allongé, le vers de 14 pieds, enfin le vers blanc de 14 pieds. Mais je crois que L'homme blanc a dû être écrit après un voyage aux États-Unis. Et Jules Romain a été extrêmement frappé par cette ville de New York, par les gratte-ciels, par les buildings. Et il en a, peut-être aussi à cause des problèmes raciaux posés aux États-Unis, il en a en effet conclu à la supériorité de l'homme blanc. Et il chante l'homme blanc d'une façon un peu, surtout en 1937, je crois que le livre est de 37, d'une façon qui peut en effet être assez gênante. Je ne sais pas si c'est si horriblement gênant que cela. À force de, d'accuser tout le monde de racisme, on en viendrait facilement noyer soi-même. Je levais le lièvre. Oui, mais je crois que c'était historiquement compréhensible. Enfin, Jules Romain, qui n'a jamais flirté, disons, ni avec Dada, ni avec les surréalistes, n'a pas saisi l'importance de l'art nègre sur la peinture cubiste, n'a pas saisi l'importance du jazz sur la musique. C'est quelqu'un qui était d'une génération antérieure. Donc, ça peut s'expliquer comme ça aussi. Aussi, mais Apollinaire, qui en somme est très exactement... Son aîné, a tout de même saisi l'importance des idoles dont il parle à la fin de Zone, des dieux d'Océanie et de Guinée. Oui. Mais je crois que c'est autre chose, que c'est une autre formation d'esprit. On a l'impression quand même que Jules Romain ça doit être le fils des instituteurs. Très égocentriste, Jules Romain. C'est possible. Si je prononce devant vous le mot peinture, et qu'est-ce qu'il évoque pour vous ? Il évoque ce qui est à mes yeux, je dis à mes yeux, un des scandales du monde actuel. Je trouve qu'une partie de la peinture dite abstraite est une mauvaise plaisanterie et une injure faite au public. Et à mon avis, le grand tort du public, c'est de ne pas rouspéter. Si le public se montrait et disait oh, « voilà assez, on se moque de moi », eh bien, les plaisantins trouveraient que la plaisanterie est assez durée. Mais quand on me montre, par exemple, une toile avec une tache au milieu et qu'on m'invite à m'extasier devant ça, à me recueillir, à trouver dans cette petite ordure l'équivalent d'une des grandes œuvres de Delacroix ou de Rembrandt, je ne marche pas. Évidemment, c'était le poète qui, dans les unanimes, était le meneur, était la conscience du groupe. Mais il y avait tout de même un danger, c'est que la personne qui prenait conscience du groupe devenait en même temps un dieu, à tel point que Jules Romain a écrit en 1910 un manuel de déification. La foule devenait dieu, mais par l'intermédiaire du chef. Et on voit tout de suite où cela mène, évidemment, Marinetti. Le mot Führer n'est pas le mot. Et oui, les futuristes italiens, qui avaient cette idée du chef très forte en eux, quand ils n'ont pas été tués pendant la guerre, ce qui a été le cas d'un certain nombre de gens, ont adhéré au mussolinisme. Et Jules Romain, qui était très profondément humaniste, attaché à la liberté, a mesuré le type de danger que faisait courir un groupe pris par un autre chef qu'un poète. Je crois que c'est à ce propos que, juste après la guerre, il a écrit ses pièces de théâtre, d'une part désopilantes, car il ne faut quand même pas oublier que là réside un humour et un rire, d'une part désopilantes, mais d'autre part contenant une assez forte dose de retour sur soi-même. Knock et Donogo Tonka. Parce que Knock, qu'est-ce que c'est sinon un groupe, là, une petite ville, pris et perverti pour le coup par un médecin qui fait croire à tout le monde qu'il a besoin de se soigner. Et qu'est-ce que c'est que Donogo Tonka si ce n'est une mystification totale à propos d'un pays imaginaire des colonies, à partir de quoi quelqu'un fait avaler aux malheureux spéculateurs les bourdes les plus énormes et s'enrichit naturellement. Alors, Knock et Donogo Tonka sont, je crois, un essai de purification, de démystification de l'unanimisme dans ce qu'il aurait pu avoir de dangereux. Et on retrouve, avec les hommes de bonne volonté qui ont été écrits plus tard, un unanimisme plus diffus qu'on pourrait
peut-être presque dire un simultanéisme. En tout cas, un unanimisme qui implique une fraternité entre les hommes, un rapport, beaucoup plus qu'une représentation de chef à groupe, qui est toujours une représentation de supérieur à inférieur. Là, je crois que c'est parti, c'est évacué des hommes de bonne volonté. Furtif, l'orgue de Barbarie se glisse entre la troupe de la Comédie-Française et M. Jules Romain, qui vient vous présenter sa pièce « Monsieur le Trouadec », que la salle Luxembourg va donner pour la première fois cette semaine. Au micro des avant-premières, l'auteur de Knock, de Donogo, des copains, des hommes de bonne volonté, M. Jules Romain de l'Académie française. Quand j'ai fait le Trouadec, qui a été la première pièce de cette série-là, mon intention était de restituer sur la scène française ce que j'appelais la comédie pure, c'est-à-dire une comédie qui excluait toute espèce d'éléments dramatiques, sentimentaux, etc., et qui tâchait de retrouver la formule comique dans sa pureté. C'est ça. En quelque sorte, vous êtes contre le théâtre à thèse. Ah, ça, je l'ai toujours été. Toujours été. Ce qui ne veut pas dire que je sois contre le théâtre qui fait réfléchir, c'est tout à fait autre chose. Et même, à mon avis, un tour de force que devraient se proposer plus souvent ou assez souvent les auteurs dramatiques, et tour de force qui a été réalisé bien des fois d'une façon glorieuse par nos grands maîtres du passé, c'est de, je vais dire dissimuler, ce n'est pas le mot, mais c'est de faire transparaître des idées importantes derrière une action qui a l'air d'être un jeu. Je crois avoir lu quelque part qu'en écrivant Knock, vous aviez été guidé par le problème du chef. Oui. Et en écrivant Monsieur le Trouadec. Eh bien, dans mon esprit, ce sont deux pièces qui ont été écrites à peu près à la même époque. Elles ont une sorte de symétrie. Dans Knock, j'ai essayé de présenter le personnage du chef vrai, du chef dynamique, du chef créateur, de celui qui exerce une influence positive et profonde sur la masse humaine qui l'entoure. Et le Trouadec, c'est tout le contraire. Le Trouadec, c'est le semi-fantoche qui est à la fois l'expression et le bénéficiaire des courants de la société de son temps, mais qui a tout de même beaucoup d'adresse. Notre temps est plein de gens comme ça, qui savent admirablement tirer parti des circonstances et des rencontres de circonstances, et qui, une fois, je crois que j'ai employé cette forme, enfin cette image à propos de le Trouadec, le côté bouée creuse. Vous savez, les bouées creuses qui se mettent à pousser des cris extrêmement déchirants quand il y a de la tempête. Mais c'est pas la bouée qui produit le cri, n'est-ce pas? C'est la mer. Nous le savons, la terre va se refroidir. Son destin finirait si nous n'étions pas là. Sur sa croûte de roc plus dure chaque nuit, nous mettrons une écorce d'homme tendre et pâle. Nous épanouirons l'âme des groupes dieux pour qu'un groupe dévore un jour l'humanité. Elle redeviendra jeune comme le sperme, la vieille terre. Et nous irons te la porter. Nous la déposerons au bout de ta spirale, tu la prendras, et brusquement tes énergies redresseront leur dos comme des chats rageurs dont le poil se hérisse et dont le gosier racle. Tu tourneras deux fois, tu tourneras trois fois, avec la terre et nous dans le creux de ta fronde, et tu te détendras soudain, ô nébuleuse, pour lancer la terre unanime au front du monde. Jules Romain a eu un rôle important au point de vue prosodique, au point de vue de la métrique, au point de vue du rythme, au point de vue du vers français, rôle qu'on retrouvera plus ou moins sous-jacent chez certains poètes qui n'ont rien à voir avec lui. Certains poèmes de Supervielle, certains poèmes de Gabriel Audizio, par une revue qui, je crois, était assez dévouée, qui admirait Jules Romain, qui s'est appelée « Le Mouton Blanc ». Dans les années 1922-23, dont le directeur s'appelait Jean Itier, cette revue a été un peu le porte-parole de cette versification qui, évidemment, a joué un rôle
théorique beaucoup plus qu'autre chose. Ça n'est pas la liberté absolue du vers du poème surréaliste, mais c'est une forme de prosodie française, c'est une sorte de classicisme, enfin, qui n'est pas du tout à négliger. Et je suis surpris de voir dans les anthologies de la poésie du XXe siècle, de voir la petite place que l'on fait à ces poètes, que l'on fait à Duhamel, à Durtin, à Arcos ou à des gens comme ça, qui ont quand même joué leur rôle poétique et au point de vue de la forme et comme au point de vue du fond. Ils sont un peu mis à l'écart, un peu comme les fantaisistes. Ils jouent un rôle qu'on ne conçoit pas très bien. Et puis Jules Romain n'apparaît pas pour grand monde un poète. Il apparaît comme un romancier considérable, comme un homme de théâtre. Mais l'œuvre poétique de Jules Romain, c'est un peu comme l'œuvre poétique de Mauriac, c'est-à-dire quelque chose, ou l'œuvre poétique de Duhamel, ou de Carco, quelque chose qui n'apparaît pas au premier abord. Bien que Jules Romain, contrairement à Mauriac ou à quelques autres, ait écrit des poèmes pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Je ferai le chant que j'ai promis, je tenterai cette aventure, qu'au ciel, encore un coup, la poésie fulmine, dont le tonnerre en bas s'étue. De même, aux nuits d'été, quand un orage énorme s'allume par la cime, il n'en tombe parfois sur la terre qui dort qu'un silence roussi. Le haut feu de l'esprit lance plus d'un signal que l'œil tarde à rejoindre, et l'univers abonde en présences royales qui n'ont pas de témoins. Les peuples ont cessé d'entendre le poète, d'autres jeux les ont pris, de plus mornes amours. Pense-t-il se venger en détournant la tête, par son mépris muet leur donner des remords? Ou pour se consoler de l'extase commune, fera-t-il du poème un rite ténébreux? Mots troubles, mots tordus, caressantes fumées, saurez-vous bien cacher le monde à ses yeux bleus? À moins que pour tirer un sourire, une injure, aux passants, qu'on meurtrit les rumeurs, les lueurs, il ne fasse danser quelque stance bizarre, comme un singe chétif qui mâchonne des fleurs. Je préfère garder la même voix tranquille que si toute la terre écoutait notre chant et qu'on vit jusqu'au ciel les gradins qui reculent, chargés de laboureurs, de femmes, de marchands. C'était Une vie, une œuvre. Jules Romain et la modernité. Une émission d'Hubert Juin et Jean-Claude Loiseau. Avec Marie-Claire Bancard, Bernard Delvaille, Jean-Laurent Cochet, Alain Duhamel. Texte lu par Jean-Claude Durand. Et la voix de Jules Romain, document d'archives de l'INA. Enregistrement et mixage, Bernard Manteau, Daniel Bizien.